Bon, de Mouneville, dis-nous, ça, depuis combien de temps tu es installé? J'ai commencé l'expérience il y a une douzaine d'années. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Jacques était vétérinaire, passionné des bons produits, de l'amour de son terroir, et qui s'est lancé dans le boom. Dans le bon de Mouneville, mes clients étaient souvent viticulteurs, et il y avait pas mal de gâchis de jus de raisin, quelquefois au moment des vendanges. Et bon, j'aime pas trop le gâchis, puis j'ai quelques idées. Ah ben non, pourquoi gâcher hein? Alors j'ai plus ou moins inventé une méthode pour arriver à un balsamique naturel. C'est un peu inspiré justement du vinaigre balsamique. Du vinaigre balsamique, oui, on part du moût de raisin, du jus de raisin, et que l'on travaille, que l'on pasteurise au départ, après on le laisse décanter, on fait de l'assemblage après au printemps. Et on laisse vieillir, j'ai voulu laisser vieillir dans des fûts que j'avais conservé les eaux de vie du cognac. Combien de temps tu laisses vieillir? Alors minimum 18 mois, 2 ans. D'accord. Et après il va vieillir 3, 4, 5, 6. Alors jusqu'à 20 ans s'il reste dans les fûts. S'il en reste, ça peut vieillir ad vitam. Alors là, la Christopher, il s'en est servi pour cuire les gros bouquets, c'est ça Christopher? Non, pour déglacer la cuisson des coquilles Saint-Jacques. Pour déglacer, c'est-à-dire servi du fond de l'assiette avec les Saint-Jacques, t'as déglacé au bout de Mouneville. Voilà, exactement. Que j'ai incorporé ensuite dans ma sauce. Dans la sauce, d'accord. Juste pour apporter un petit côté d'acidité, parce que ça va bien avec les crustacés, les coquillages. Qu'est-ce qui te plaît dans ce produit spécifiquement pour justement ce que tu en fais là? Dans ce produit, moi ce qui me plaît, c'est sa finesse, sa douceur pour un vinaigre. D'accord. Et vraiment le parfum, on sent bien le côté sucré des fûts de cognac, cette rondeur. C'est ça le secret, Jacques, qu'en fait, il y a un mariage entre le cognac, enfin les fûts de... Disons, c'est tout le raisin, tout le cépage du cognac qui se retrouve concentré au niveau du baume. Et c'est un produit qui tue pas, à mon avis, qui tue pas le produit que l'on travaille. Ça le rehausse. Que ce soit une viande ou un poisson ou un crustacé. T'en as d'autres, Alice? Ça réveille le goût du produit. D'accord, alors parlons un peu prix. Ça coûte cher, ça, ce baume? Ça coûte cher? On le vend 7 euros. 7 euros. Ouais. Ah, c'est un produit qui a 3 ans. Bon, si vous voulez, ça paraît pour un vinaigre, la culture n'est peut-être pas encore bien installée du vinaigre, mais c'est le prix d'une bouteille de vin, disons, correct. Non, mais c'est un produit d'exception, il faut le dire. Mais ça a duré 3 ans de travail et d'élevage, et vous en profitez, plus, peut-être pendant 8 jours, ou pendant 15 jours, ou pendant 3 mois, suivant votre consommation. Et la bouteille de vin qui... Vous la consommez dans une bouteille de vin. Je rigole, la bouteille de vin, ça se boit tout de suite. Alors que ça, on le garde des années. Non, on va pas l'utiliser. Hein.